je n'arrive pas à en choisir une. Affichez les deux modèles dans tout Capital Ville. Cette campagne va constituer le summum de ma carrière. Et les tracts, au fait. Je veux les voir inonder les rues de la ville. C'est comme si c'était fait, monsieur le président. Du papier. C'est merveilleux. C'est l'endroit idéal pour construire mon papier land. Un courrier urgent pour Sa Majesté présidentielle. Je sous-signe, Mr. Papier vous informe par la présente que j'ai l'intention de recycler tout le papier de Capitalville afin d'y établir mon royaume que je baptiserai Papierland. C'est qui ce clown? Mr. Papier recycle tous les genres de papier. Le papier journal, le papier monnaie, le papier toilette. Non! Du papier pour mon royaume. Non, pas mon discours. Tu l'as déchiqueté pour faire ce machin ridicule. C'est seulement la maquette. Le vrai papier land sera gigantesque, vous verrez. C'est pour ça que j'ai besoin de tout le papier qui se trouve dans Capitalville. Non, pitié, pas mes tracts, pas mes affiches. Biceps, la main verte de la justice. Le bras armé de la nature. Mister Papier, Papierland, une mission. Mère, tu ne partiras pas secourir l'humanité avant d'avoir fini de tailler la haie. Captain Biceps. C'est fait, maman. Le saviez-vous? Pour faire Mister Papier, prenez une usine de pâte à papier, un ouvrier distrait et un accident stupide. Faites macérer l'ouvrier dans du papier mâché. Faites chauffer le tout à 200 degrés. Ajoutez quelques solvants chimiques. Mélangez bien. Pressez et laminez bien fort. Les papeteries municipales sont heureuses de vous annoncer la naissance de Mister Papier qui va plier le monde. Reportage exclusif sur la grande inauguration de Papierland. Capitaine Biceps ose piétiner Papierland. À nous deux, monsieur le bloc-notes recyclé. J'ai pas peur des tigres de papier. Allez-y, Capitaine, pliez-le en quatre. Sensationnel. Capitaine Biceps va goûter la douceur de Mister Papier. Viens par ici, monsieur Muscle. J'arrive, Mister Post-it, et je vais t'en coller un. Capitaine, il s'échappe. Personne ne peut échapper à Captain Biceps, génius. Je vais te plastifier la feuille, tu m'en diras des nouvelles. Mets-moi tout ça par écrit, Biceps. Édition spéciale, Mister Papier fait un cadeau à Captain Biceps. Oh, et puis non, finalement. Vous en faites pas, Captain, je suis là. Encore un cadeau avec les compliments des émissions Mister Papier. Captain Biceps. Tout le monde sait plier du papier, génius. Ça ne fait pas des super-héros pour autant. Tiens, je vais te faire une boulette de papier géante. Tu vois, génius, c'est fastoche. Vous êtes agile de vos doigts, Captain. Quand j'en aurai fini avec toi, tu seras bon qu'à envelopper des sandwichs bien gras. Oui, super. Commence à me courir le papier crépon. Cette fois, on le tient, Capitaine. C'est un cul-de-sac. Mais il n'a plus de papier. Je vais en faire de la bouillie de cette tête de papier mâché. Je vais en faire des confettis de Monsieur Paplard. Capitaine. Quoi? Il n'y a plus de sol sous vos pieds. Fais bien attention, Kiki. Aujourd'hui, tu as cours de réflexe. Je vais lancer cet avion en papier et si tu l'attrapes, tu as gagné. Allez, c'est parti. Vas-y, Kiki, attrape-le. Vas-y, bondis. Mais qu'est-ce que tu attends? Allez, Kiki, cours-le après. Vas-y, attrape. T'as gagné. C'est bon.
bienvenue à Papierland, dans mon royaume de papier, avec ses remparts, son moulin, ses cochons, ses gentils canards et ses loyaux sujets. Mais tout ça n'est rien que pour moi. Il faut revoir ta copie, Mister Papier Brouillon, parce que grâce à ma super lentille convergente toute option, je vais t'allumer la feuille par les quatre coins et te réduire en cendres. Et pour finir, je jetterai le tout à la corbeille. Bien vu, génius. Allez, laisse-moi m'en occuper. Biceps revers, à demain, si vous le voulez bien. Oui, mais non, Captain, parce que là, ça devait servir à le brûler, parce que comme ça, il aurait été incapable de revenir. Allez, viens. Si tu crois qu'un petit avion en papier mâché va faire peur aux bras armés de la justice, tu te mets le doigt dans la... Aïe! Maman? Mais là, je suis occupé à sauver l'humanité. Aïe! Comment ça, j'ai taillé la haie trop court? Biceps, cerveau en action! Allez, biceps, essaye de m'attraper! Si tu peux, gros lard! Encore raté! Ciseaux! Presse-papier, crayon, séquence biceps art plastique. Alors, que fait-on pendant l'atelier d'aujourd'hui, génius? Je sais pas, j'ai pas lu le scénario. Sacré génius. Alors voyons, et il nous faut des ciseaux. Quelques crayons de couleur. Et pourquoi pas un tube de colle. Mais avant tout, il nous faut du papier. On dessine, on colorie et on découpe. Mais attention, tout ça sous la surveillance d'un adulte. Et vous obtenez de belles guirlandes présidentielles. J'en ai assez de vos enfantillages, biceps. Où sont mes précieuses affiches? Ne vous inquiétez pas, monsieur le président. On n'a pris aucun risque de me s'y occuper personnellement de Papierland. Biceps! Je reviendrai et je prendrai alors ma revanche.